Cette CMP est en fait un nouvel accord de gouvernement entre vous et la majorité de droite radicalisée sur un programme lepéniste des années 80. Allez, allez. La parole est maintenant à monsieur Fabien Gay pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaky. À vous, monsieur Gay. Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, avec cette CMP sur la loi immigration, vous n'avez pas fait que diviser votre majorité et le Parlement. Vous avez une nouvelle fois fracturé notre République en instrumentalisant les colères populaires nées des multiples crises que nous traversons, en désignant les étrangers comme des boucs émissaires. Alors que des millions de nos concitoyens ont voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, pensant faire barrage aux idées de l'extrême droite, ils découvrent, ce matin, le tapis rouge que vous leur avez déroulé avec cette loi de stigmatisation et de paupérisation de tous les étrangers. Durcissement du regroupement familial, du droit du sol, des conditions d'accueil des étudiants, instauration de quotas, rétablissement du délit de séjour irrégulier. Cette CMP, directement pilotée par l'Élysée, au mépris de la séparation des pouvoirs, est en fait un nouvel accord de gouvernement entre vous et la majorité de droite radicalisée sur un programme lepéniste des années 80. Ne vous offusquez pas, chers collègues, car l'instauration de la préférence nationale pour les prestations sociales, c'est bien Jean-Marie Le Pen. J'alerte nos compatriotes qui pensent que leur situation personnelle peut s'améliorer avec la préférence nationale, qu'ils se souviennent bien que le recul des droits des étrangers précède toujours le recul des droits pour toutes et tous. Cette loi est une souillure pour notre pays, qui ne sera jamais une nation ethnique. Elle reste une nation politique basée sur les valeurs, liberté, égalité, fraternité, avec une longue tradition d'accueil qui s'est construite aussi avec les vagues d'immigration, ne vous en déplaise. Madame la Première Ministre, renoncez à promulguer cette loi et n'inscrivez pas à l'ordre du jour la suppression de l'aide médicale d'État, le même trimestre où notre pays va faire entrer au Panthéon Missak et Méliné Manoukian pour éviter de rajouter du déshonneur à l'infamie dont vous êtes les seuls responsables. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur, je vais vous dire quelque chose. Ces murs, voyez-vous, ont des oreilles, mais ils ont une mémoire. Nous arrivons avec un texte. Il ne vous plaît pas. Au fond, en démocratie, vous avez bien le droit de ne pas aimer ce que nous proposons. Mais vous ne voulez pas débattre. Est-ce que vous avez déposé un amendement, deux amendements ? Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi. Madame de la Gontrie, laissez-moi terminer. L'origine de ce qui arrive maintenant, c'est que vos amis de la NUPES et le Rassemblement national n'ont pas voulu débattre. Le texte est arrivé ensuite au Sénat. Le RN n'en a pas voulu. Il est revenu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ils n'en ont pas voulu. En CMP, ils n'ont rien proposé. Et hier soir, ils crient victoire. Et vous tombez dans le piège. Mais c'est grâce ou à cause de vous que nous en sommes là, permettez-moi de vous le dire. Parce que si vous aviez souhaité le débat, peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis, je vais vous dire une dernière chose. J'entends les grands mots de déshonneur, d'outrage suprême. S'il vous plaît. Je dis que nous avons travaillé avec les LR. S'il vous plaît. Ils sont républicains. Nous avons trouvé les compromis. Et c'est bien comme ça que l'on fait quand on a une majorité relative. Et merci de nous avoir aidés à faire avancer ce texte, même si, en réalité, il ne nous convient pas totalement. Mais c'est bien ça la règle en démocratie.